conversation. Vous n'avez pas été invité à cette réunion. Mais la majeure partie de notre conversation vous concernait. Autant nous rejoindre. Je garantirai personnellement votre sécurité, tant que vous n'aurez pas d'intention hostile. Envisagez ça comme un cessez-le-feu. Votre unique chance d'obtenir les réponses que vous cherchez désespérément. Bien. Vous voyez, nous pouvons nous entendre pour l'instant. On se retrouve. Vous vous souvenez de l'émissaire, peut-être? Et de son vaisseau, l'Hélix? Je crois bien qu'il vous a tendu une embuscade au-dessus de Néon, exigé l'artefact que vous aviez eu tant de mal à récupérer. Merci pour cette formidable introduction. Votre réussite est sans précédent. Avant votre arrivée, nous nous disions justement que l'utilisation de la force contre vous était mal avisée. Oui, c'est un fait. Nous ne sommes pas un peuple monolithique. Les Astriens sont des individus. Certains sont unis par une cause, d'autres sont plus égoïstes. Nous sommes tous égoïstes. Certains d'entre nous sont juste plus honnêtes. L'émissaire a menacé votre vaisseau, exigé que vous lui remettiez votre artefact. En quoi est-ce différent de ce que j'ai fait? Nous avions besoin de vous prévenir. Chaque rencontre avec l'un des nôtres pourrait engendrer une catastrophe. Pour qui, exactement? Moi, je dis que quiconque peut les collecter devrait le faire. Et qui a le droit d'affirmer ça? Vous? Moi? L'émissaire? Je débat sur la moralité depuis une éternité, et tout ce que j'ai trouvé ce sont des groupes qui imposent leur volonté à d'autres. Des règles et des lois érigées en principe, mais appliquées par les armes et la violence. Ça suffit. Il y a d'autres choses dont nous devons discuter. L'unité. Vous êtes sur le chemin qui y mène. C'est un lieu, un portail. C'est là où nous avons vécu notre renaissance. Eh bien, cette partie du plan est plus bizarre que je le pensais. Dissimuler mon visage était plus simple. Je suis pas la personne que vous croyez. Cet univers n'est que le premier que vous parcourez. J'en ai vu des centaines. Là d'où je viens, c'est moi qui ai protégé les artefacts dans la loge. Vous avez rencontré la mort à bord de l'Iris, pendant que nous repoussions le chasseur. Une version de moi, du moins. J'ai récupéré les artefacts restants, et ils ont ouvert la voie vers le centre de mon univers, et le portail vers une infinité d'autres. Voilà ce qu'est l'unité. Quand j'y ai pénétré, j'ai rejoint les Astriens. C'est comme ça que j'ai pu entrer dans d'autres mondes, y compris le vôtre. Ils sont tous connectés. Je le dois. Tout ceci nous dépasse de très loin. Ah.
tous les artefacts sont nécessaires pour compléter l'armillaire et ouvrir la voie vers l'unité. Dans chaque univers, les Astriens se battent pour eux. Des innocents meurent. Vous avez vu le pouvoir conféré par les temples. L'anarchie qui peut en découler. Quelqu'un doit décider qui a le droit de s'en emparer. Et c'est parti. L'émissaire vous dit que seuls les dignes devraient entrer au paradis. Vous déformez mes propos. Ce sont des hypocrites. Ils exploitent le chaos provoqué par la chasse aux artefacts pour établir un ordre grâce auquel ils décident qui est digne ou non. J'ai attaqué votre loge parce que je voulais les artefacts, et vous m'avez repoussé, vous avez pris la fuite. Ce n'était pas la morale à l'œuvre. Vous n'avez pas survécu grâce à votre droiture. Vous avez gagné grâce à votre obstination, votre chance et vos compétences. Tout comme je l'ai fait, d'innombrables fois. Moi aussi, j'étais humain autrefois. Mais à quoi servent nos origines quand l'éternité est à portée de main? Vous apprenez. Mon autre moi souhaite que vous preniez la voie qu'il prend, que vous abandonniez, que vous appréciez l'univers que vous avez. Facile pour quelqu'un qui a tout vu, qui a tout fait. Je pense que vous devriez voir ça par vous-même. Jamais vous n'avez été si loin, dans aucun des univers que j'ai vus. La voie de l'unité s'ouvre devant vous. Vous allez faire pencher la balance d'une façon ou d'une autre. Il vaut mieux que vous soyez dans l'un de nos camps. Bingo. Je propose une trêve entre nous trois. Vous aurez le temps de réfléchir à la façon dont vous souhaitez approcher l'unité. La mienne ou celle du chasseur? Oui. Voyons à quel point vous aimez vivre sous les ordres de quelqu'un. Souvenez-vous simplement que l'un de nous n'essaie pas de vous juger. Vous avez certainement d'autres questions. Je sais que nous ne sommes pas les mêmes personnes que dans nos univers. Mais tout de même, ça me fait plaisir de vous revoir. C'est une expérience difficile à décrire. Mais l'unité vous parle. Elle vous offre une chance de devenir un Astrien. Vous laissez cet univers derrière vous pour renaître. Tout ce que vous étiez jusque-là disparaît. Peut-être est-ce pour cela qu'elle offre un choix. Par compassion? Ou est-ce un test? Différent. Je ne sais jamais qui vous êtes lorsque je rencontre une nouvelle version. Mais beaucoup de choses en vous restent les mêmes. C'est difficile. Mais chaque univers est précieux à sa façon. Le mien n'aura plus jamais votre version originelle. Tout comme le vôtre n'aura pas son vrai moi. Vous avez vu la terreur que cause le chasseur? Chaque fois qu'un Astrien franchit l'unité, il obtient plus d'artefacts, trouve plus de temples, amasse plus de pouvoir. Nous ne pouvons pas laisser d'autres comme lui utiliser ses dons pour détruire tout ce qui se tient devant eux. Lorsque tous les artefacts sont réunis, ils forment un dispositif appelé Armillaire. De bien des façons, c'est une modélisation du multivers. L'Armillaire vous permet d'atteindre l'unité. Et à travers l'unité, vous pouvez devenir un Astrien. Vous pensez peut-être que l'émissaire est de votre côté, mais c'est votre persistance qui a fini par lui faire avouer la vérité. Souvenez-vous-en. Ceux qui ont créé les artefacts et construit ces temples jouent avec nous. Et la récompense de leur jeu est l'accès au centre de toute création. Il n'y a pas de règle. Celui qui réunit toutes les pièces gagne. Et j'ai gagné. Encore et encore. Je ne tue pas pour l'unité. Je choisis la voie la plus simple vers elle.
plus rapide. Discuter, former des alliances, attendre le bon moment pour vous voler, c'est tellement pénible. Je l'admets, votre échappée a été la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis un certain temps. Dès que j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'ai su que je devais attendre jusqu'à cette rencontre avec l'émissaire pour décider de votre sort. Non, nous nous réunissons toujours à cette période. Mais c'est la routine. Peut-on faire la paix? Non. Oh, ce fut tragique. Honnêtement, je commençais à me demander pourquoi j'y allais. C'est une mauvaise habitude commencée il y a bien longtemps. Peut-être que j'aime voir l'émissaire, juste pour me vanter. Mais vous avez fourni un tout nouveau sujet de conversation. Peut-être que vous n'êtes qu'un jet de dés aléatoire, ou peut-être que l'unité répond enfin à mes efforts. Pour voir ce qui allait arriver, bien entendu, vous ne réalisez sans doute pas le nombre de fois où j'ai fait tout ça. En général, c'est vous que la mort prend. Et quiconque pleure sur votre cadavre finit par devenir l'émissaire. Parfois, je parviens à tous vous réunir pour m'occuper de vous en une fois. Parfois, l'émissaire m'a avant et je ne viens jamais. Sur des centaines de variations de moi attaquant Constellation, ce n'est presque jamais vous. Alors le fait que vous parveniez à fuir par vous-même jusqu'à votre vaisseau, c'est nouveau. J'ai pris ça comme un signe. Je n'en ai plus très souvent maintenant. L'émissaire franchit l'unité, prend les artefacts des autres, utilise la force. Tout ce que je fais. Je ne suis pas tout rose, mais je ne dirai jamais à quelqu'un ce qu'il doit faire de ses dons. C'est sa décision, pas celle d'un autre. L'émissaire veut être juge de qui peut entrer dans l'unité. Mais l'unité elle-même ne juge pas. Je veux vous donner quelque chose avant que vous ne partiez. La voie vers un autre artefact, mais aussi une leçon sur leur péril. Cherchez la lune du vieux monde. Elle renferme des secrets que vous devez découvrir par vous-même. Tenez. Pour ouvrir la voie. Oui. Je ne dirai rien de plus. Et pardonnez-moi de ne pas avoir plus communiqué. J'espère que vous verrez ce que j'ai vu. Vous devriez également parler à vos collègues de Constellation. Ils ont certainement réuni plus d'informations sur les artefacts restants dans les confins de l'espace. Une part de moi se demande ce qu'ils vont dire de vos découvertes. Mais je vous laisse tout ça.